Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence des Midi by Giant. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Marcoux, physico-chimiste au CEA Leti. Pierre, une petite biblio pour vous introduire. Pierre est diplômé de l'ESCPI et a effectué sa thèse à l'Institut des matériaux Jean Rouxel à Nantes sur la fonctionnalisation covalente des nanotubes de carbone. Après plusieurs expériences postdoctorales dans la chimie des nanomatériaux à Lausanne et à Grenoble, il a été embauché au CEA en 2004 dans l'équipe commune Leti Biomérieux. Il est titulaire de l'HDR depuis 2017. Ses centres d'intérêt gravitent autour des propriétés physico-chimiques des bactéries et de leur exploitation pour élaborer de nouveaux tests de diagnostic des maladies infectieuses bactériennes. Depuis 2016, il travaille également sur la mise au point d'une instrumentation spécifique à la phagothérapie. Aujourd'hui, il va nous présenter sa conférence sur comment faire rimer innovation frugale avec médecine tropicale. Je vous souhaite une bonne conférence à tous. Bonjour, je vous remercie de me donner la parole pour vous présenter un projet qui s'appelle Symbol, qui signifie hémoculture simplifiée. Alors l'hémoculture, c'est un test de dépistage des infections sanguines. Et donc ce projet est coordonné par l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Et c'est un projet auquel participe le CEA Grenoble. Donc le contexte, c'est celui des infections antibiorésistantes dans les milieux à ressources limitées. C'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui les pays en voie de développement. Alors, dans le domaine des infections bactériennes, le diagnostic, on m'entend, oui. Donc le diagnostic a une importance cruciale parce qu'en fait, il permet d'obtenir. Il faut contact. Espérons que ça ira mieux comme ça. Voilà. Donc permet d'obtenir un traitement optimal de manière plus rapide que s'il n'y a pas de diagnostic. S'il n'y a pas de diagnostic, on va aller de prescription empirique en espérant obtenir un traitement optimal. Alors les chiffres le montrent en fait sur les infections sanguines justement. On a donc les chances de survie du patient qui diminuent lorsque le traitement optimal, l'antibiothérapie optimale est utilisé. Donc plus vous mettez de temps à mettre en place cette antibiothérapie optimale et plus vous diminuez les chances de survie du patient. Donc dans les actions de l'OMS pour lutter contre l'antibiorésistance, l'usage rationné, c'est-à-dire rationalisé, excusez-moi, l'usage rationalisé des traitements est une action prioritaire pour lutter contre l'antibiorésistance. Alors aujourd'hui, les chiffres, ils ne sont pas très bons. Cette mortalité due à l'antibiorésistance ne cesse d'augmenter. Les derniers chiffres qui étaient publiés en 2022 et qui portaient sur 2019 relataient donc 1,27 million de morts à l'échelle du globe. Alors, les prévisions pour 2050 sont encore pires. Et vous pouvez voir sur cette carte que l'Afrique sera la plus touchée. Les prévisions sont de 4 150 000 par an. Alors déjà aujourd'hui, sur ces fameux chiffres publiés en 2022, l'ouest de l'Afrique subsaharienne est la zone la plus touchée au monde pour la mortalité antimicrobienne, puisqu'on atteint les 27 morts pour 100 000 habitants. C'est le chiffre le plus élevé au niveau mondial. Et justement, c'est une des zones où il y a le moins de diagnostics au monde, puisqu'en Afrique subsaharienne, il y a seulement 1,3% des laboratoires d'analyse qui peuvent faire de la bactériologie et donc dépister des infections bactériennes. Donc, le problème de ces pays-là, c'est ce qu'on appelle donc le resource limited settings. C'est un ensemble de conditions qui font que les ressources sont limitées. Alors, concrètement, ça veut dire des infrastructures limitées. C'est la fourniture électrique qui peut être interrompue. C'est la difficulté d'accès. C'est les infrastructures de transport. C'est les bâtiments, la climatisation, l'accès à de l'eau potable. Il y a aussi des problèmes logistiques comme l'approvisionnement consommable. Il faut savoir que sur certains consommables,
Et eux, ils vont les acheter 2 à 3 fois plus cher que nous parce qu'en fait, les fournisseurs occidentaux font payer ces infrastructures défaillantes de transport. Donc, quand ils peuvent s'approvisionner en consommables, c'est parfois plus cher que nous. Les équipements sont rares et datés et le personnel est souvent insuffisant, enfin le personnel formé. Alors, ça correspond à un gradient de situation plus ou moins dégradé, avec évidemment le CHU dans la capitale qui va avoir une situation peu dégradée, l'hôpital de district qui va avoir des équipements beaucoup plus faibles, et puis jusqu'au village où là, il n'y a aucune infrastructure. Alors, les CHU dans les capitales, il ne faut pas croire qu'ils sont aussi bien fournis que chez nous. Si je prends l'exemple de Ouagadougou, qui est justement un CHU avec lequel on travaille, pas plus tard que l'année dernière encore, ils se plaignaient de problèmes de toilettes, de climatisation, d'insuffisance de microscopes, même de tabourets, et encore de personnel insuffisamment formé. Alors si on prend l'exemple du test d'identification, qui est une partie importante du dépistage des infections sanguines, c'est une partie importante parce qu'elle consiste à déterminer l'espèce du pathogène qu'on a détecté dans le sang du patient. Donc, on va en déterminer l'espèce. Alors, dans un CHU de capitale, on pourra effectivement trouver des équipements, les mêmes équipements que chez nous, donc des équipements des années 2010-2020. Mais dès qu'on va s'éloigner de la capitale, dans une capitale régionale, ce qu'ils appellent un centre de référence, on pourra trouver des technologies largement plus datées, mais néanmoins automatisé, c'est déjà un grand pas. Comme ici, vous pouvez voir un Vitec 2, qui est donc un automate pour faire des tests biochimiques d'identification. Et puis après, quand on va vers les districts hôpitaux, c'est-à-dire les dispensaires, on va retrouver en fait des technologies des années 50. Hein, donc, tests biochimiques en tube vert, ça, c'est les années 50. Donc, c'est tout un gradient de situation dégradée. Et nous, on va plus particulièrement s'intéresser ces situations où, en fait, il n'y a pas d'automate du tout. Donc, on en a encore, pour faire simple, aux années 50. Alors, ces obstacles, quand on va voir concrètement comment ça se passe, effectivement, il y a des coupures de courant, il y a l'humidité et la poussière. Poussière qui peut interférer avec les résultats de certains tests. Je vous parlais de la difficulté à s'approvisionner en consommables. Il y a aussi le problème de la contrefaçon ou de l'insuffisance au niveau de la qualité des réactifs. Donc, pour vous donner un exemple, dans ce papier-là, Yann Jacobs et ses collaborateurs avaient testé les réactifs pour le dépistage de la malaria. Donc, c'est un réactif de marquage pour faire de la microscopie sur ce parasite. Et à peine 20% des réactifs testés au Congo répondaient au cahier des charges. Donc, les 80% restants sont soit des contrefaçons, soit des réactifs qui sont de qualité insuffisante. Donc, le problème, il est particulièrement accru pour les réactifs à durée de vie courte. Je prends l'exemple des géloses au sang. Ce sont donc des boîtes de pétri avec un milieu dans lequel il y a 5% de sang de mouton, de sang de cheval. C'est typiquement le genre de milieu qui se conserve assez mal, donc difficile d'approvisionner les hôpitaux avec ces milieux-là. Donc la solution, par exemple, qui a été adoptée à Cotonou, c'est d'avoir un élevage de chèvres avec des poils courts, de manière à ce qu'on puisse leur prélever le sang, et les géloses au sang sont fabriquées sur place, en fait. Alors, les réactifs, après, quand on les a, ils ne sont pas forcément stockés selon les recommandations. Il y a aussi, je parlais d'automates tout à l'heure, difficulté à s'approvisionner en pièces détachées. Elles ne sont pas forcément proposées dans ces pays-là. D'autres problèmes, quand les tests sont faits en tube vert, les résultats ils sont notés sur du papier. Donc, ça fait beaucoup de formulaires. Et quand vous avez énormément de formulaires papier, au lieu d'avoir un seul logiciel avec un réseau informatique, ça complique beaucoup l'examen rétrospectif des données patients. Difficile de remonter sur les résultats qui ont 7 jours ou même moins. Et enfin, il n'y a pas de contrôle qualité sur les diagnostics, il n'y a pas de certification, pas d'accréditation. Donc ça aussi, c'est un problème. Alors concrètement pour nous, en tant que projet de recherche, une grosse difficulté, c'est les difficultés à se rendre sur place,
pour des raisons diplomatiques. Là, vous voyez par exemple que quand on va sur le site web Ariane du ministère des Affaires étrangères, ben, le Burkina Faso est tout en rouge. Donc c'est un des pays dans lequel on ne peut pas se rendre. Donc il faut prévoir des transferts. En fait, c'est du personnel formé au Bénin qui va former le personnel du Burkina Faso. Donc ça permet de mettre en place des formations intracontinentales plutôt que de former tout le monde séparément là-bas, ce qu'on ne peut pas faire de toute façon. Et il y a un dernier problème, notamment quand on acquiert des données avec des gros volumes, quand on parle de plusieurs terras, c'est l'accès Internet. Donc ça nécessite en fait de faire transiter les données par des disques durs qui eux-mêmes voyagent par la poste ou dans les valises. Alors maintenant, je vais vous parler d'innovation frugale. Pourquoi ? L'innovation frugale peut être un concept à développer pour répondre aux besoins spécifiques du Resource Limited Settings. C'est un concept que j'ai découvert récemment, je vous l'avoue. Je l'ai découvert par le biais de cette présentation en PDF que vous pouvez trouver sur Internet, qui a été faite par François Piuzzi. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, parce que c'est un ancien du CEA. Il est à la retraite aujourd'hui, président de la commission Physique sans frontières. Et à la lecture de ce document, voilà ce que j'ai compris de l'innovation frugale, qui est un terme dont la définition peut effectivement un peu varier. Ce que j'en ai compris, c'est que c'est l'innovation frugale, c'est faire avec moins ou faire moins cher ou faire plus rapidement. Grâce à quoi ? Grâce au recyclage de composants à haute technologie qu'on a pris dans d'autres instruments, qu'on a éventuellement pris dans la déchetterie. Grâce aux nouveaux composants miniaturisés, les bons exemples sont la plateforme Arduino ou le micro-ordinateur Raspberry. Les sources LED aussi sont un bon exemple de sources de lumière très compactes et peu chères maintenant. Il y a tout le développement du DIY et notamment de l'impression 3D. Et il y a aussi de nouveaux modes de partage du savoir auxquels on doit s'habituer, parce que les jeunes y sont habitués, mais pas forcément nous. C'est la science ouverte, le partage de code avec GitHub, c'est les sites web comme Instructables qui détaillent comment fabriquer tel ou tel objet en le faisant soi-même et avec une imprimante 3D. Et puis il y a les Fab Labs, par exemple, PoiSpot en est un bon exemple. Donc, pour vous donner un exemple précis de ce qu'on peut faire, par exemple, pour le RLS avec de l'innovation frugale, vous pouvez fabriquer une centrifugeuse à haute vitesse pour des pays où en fait les fournisseurs ne distribuent pas ce genre d'équipement. Et vous pourrez le fabriquer en achetant donc un moteur de drone. Donc c'est un des exemples que donne François Piuzzi. Le capot de l'imprimante et le rotor sont fabriqués par imprimante 3D. Donc ça revient pas beaucoup moins cher qu'une centrifugeuse chinoise bas coût. Mais par contre, ça permet d'être fabriqué localement. Puisqu'il y a certains distributeurs qui ne distribuent pas tout simplement, même à bas coût. Alors, certains laboratoires se sont emparés de ce concept d'innovation frugale. Un bon exemple, c'est un Fab Lab suisse qui s'appelle Gaudi Labs et qui propose tout un panel de tutos pour fabriquer soi-même sa centrifugeuse à partir d'un disque dur ancienne génération, les disques durs qui tournaient. Là, c'est un 3 pouces et demi. Donc on peut aller se servir dans les déchetteries. Encore faut-il qu'on puisse avoir accès effectivement à ces déchetteries. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est comment fabriquer un spectromètre proche UV visible à bas coût. Alors certes, il aura une résolution évidemment plus faible que celle d'un instrument conventionnel. Mais néanmoins, ça sera beaucoup moins cher qu'un instrument du commerce, puisque ça revient aujourd'hui entre 8 et 9 000 euros. Donc vous partez d'une LED blanche, un miroir, un morceau de DVD pour faire la partie dispersive, le spectro. Et puis, comme capteur, ils utilisent une webcam. Tout est détaillé sur leur site pour fabriquer ce spectromètre chez vous. Alors, j'ai quand même l'impression que sur la fabrication du réseau dispersif, ce n'est pas si évident que ça. Il faut le coup de main pour aller détacher la couche qu'il faut sur le DVD. Mais ça reste faisable par quelqu'un qui est formé. Alors le projet Symbol, donc, il a pour objectif de faire de l'innovation frugale à destination donc, des pays de l'Afrique subsaharienne pour le dépistage des infections sanguines.
Alors pourquoi les infections sanguines? Ben parce que ce sont des infections où un diagnostic rapide est nécessaire. Et comme je vous le montrais au tout début de l'exposé, plus les résultats du diagnostic arrivent tardivement, plus la mortalité est élevée. Donc ça, c'est en plus des infections monomicrobiennes, donc où il y a moins d'espèces à identifier. Et je dirais aussi que c'est un type d'infection où la valeur ajoutée de la technologie qu'on va mettre en place, elle est immédiate en fait. C'est-à-dire que même si on a des performances d'identification moins importantes qu'en Occident, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens pour lesquels on n'a pas la bonne identité du pathogène, il y a quand même une valeur ajoutée, puisqu'en fait, on est face à des laboratoires qui partent de zéro. Donc, la première question face au dépistage des infections sanguines, c'est il y a quelqu'un. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un pathogène dans l'échantillon de sang qu'on a pris sur le patient? Donc, aujourd'hui, ce pathogène, il est détecté par une phase de culture qui est faite dans un automate. Ici, vous avez un exemple d'automate de Becton-Dickinson, un FX40. Le problème de ces automates, c'est que soit ils ne sont pas distribués, je pense notamment au FX40 dans certains pays, ils ne sont pas distribués, alors que les concurrents chinois distribuent. Il y a pas mal aujourd'hui effectivement de distributeurs chinois qui distribuent des automates très similaires dans ces pays-là. Mais très souvent, ils sont trop chers à l'achat, trop chers à l'entretien. Il y a les coûts d'expédition et quand l'expédition est possible. Et enfin, il y a la maintenance qui ne sera pas assurée parce qu'ils n'ont pas tout simplement de technico-commerciaux qui peuvent aller se déplacer dans ces pays-là. Donc, le premier volet du projet Symbol, c'est de développer un turbidimètre simplifié pour faire cette phase de détection du pathogène pendant l'hémoculture. Ce volet-là est coordonné par l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Le deuxième volet, c'est quand on a trouvé un pathogène, il faut répondre à la question qui est-ce? Il faut en déterminer l'espèce. Donc aujourd'hui, dans nos pays, c'est fait par des spectromètres de masse, dits MALDI-TOF. Et donc ces équipements-là sont encore plus chers. Là maintenant, c'est beaucoup, beaucoup trop élevé pour ces pays-là. Donc le volet identification, lui, est coordonné par le CEA avec un consortium IRIG-LETI. Et donc, notre objectif, c'est de développer un microscope sans lentilles pour identifier optiquement les pathogènes grâce à cette nouvelle technique d'imagerie et à l'intelligence artificielle. Alors, en amont de tout ça, il faut réfléchir à l'approvisionnement en consommables. C'est quelque chose auquel on a réfléchi dès le début dans le projet parce qu'on voulait qu'il y ait une suite après le projet. Et donc, pour qu'il y ait une suite après la fin du projet, il faut que les gens puissent s'approvisionner en consommables. Alors, il y a deux types de consommables pour le dépistage des infections sanguines. Le premier, c'est le flacon d'hémoculture qui permet de répondre à la question « est-ce qu'il y a quelqu'un ?». Le deuxième, c'est la boîte de pétri dans laquelle on fait pousser le pathogène qu'on a d'abord amplifié dans le flacon d'hémoculture. Et donc, ce consommable, la boîte de pétri, permet de répondre à la deuxième question « qui est-ce ?». Alors, on a simplifié ces deux consommables. La première simplification, c'est d'enlever le capteur colorimétrique au fond du flacon d'hémoculture et c'est de simplifier le milieu, le bouillon liquide qui est à l'intérieur du flacon. On en a simplifié la composition pour qu'il puisse être réalisé sur place à Cotonou et pour qu'il coûte moins cher. Donc, effectivement, ce milieu ne pourra pas faire pousser toutes les espèces, mais il en fait pousser la grosse majorité. Donc, il répond au cahier des charges. Pareil pour la phase gélosée, pour les boîtes de pétri, on utilise un seul milieu, qui est le Müller-Hinton, au lieu d'utiliser différents milieux pour l'identification et un milieu pour l'antibiogramme. Un seul milieu pour faire l'identification et l'antibiogramme, toujours pour des soucis de simplification logistique. Donc, un conteneur qui contient cette unité de production, bon, en réalité, il y en a deux qui ont été accolés. Ces deux conteneurs ont été installés donc, en 2023, fin 2022, à Cotonou, pour réaliser cette unité de production de boîtes de pétri et de flacons d'hémoculture. Donc, le démarrage de la production a démarré en février 2023 et la prochaine étape, à la fin de cette année, novembre 2024, c'est une certification ISO pour qu'ils puissent aussi tirer des revenus de ce laboratoire et qu'ils vendent du consommable pour d'autres CHU.
Donc ça permet aussi, eux, d'assurer la pérennité financière de cet équipement, puisqu'ils vont vendre et exporter ces consommables. Donc là, voilà le flacon d'hémoculture made in Cotonou. Alors pour l'anecdote, puisque je sais qu'il y a des connaisseurs dans la salle, c'est un flacon bacté alerte Like fabriqué par les Chinois. Il a exactement les mêmes cotes, les mêmes matériaux que le flacon de Biomérieux, mais il est vendu par les Chinois et surtout il a l'avantage d'être vide, donc ce qui nous permet d'avoir un flacon directement sans capteur dedans. Sur le turbidimètre, donc là on part sur une technologie a priori très simple, puisque ça consiste en fait à faire arriver avec une photodiode une lumière incidente et à regarder la quantité de lumière diffusée par rapport à la lumière transmise. Et ça, c'est révélateur d'une croissance microbienne. À condition, évidemment, que vous ayez fait décanter d'abord les cellules sanguines. Donc ça nécessite de ne pas agiter, alors qu'effectivement, le standard en Europe, c'est d'agiter les flacons d'hémoculture. Donc il y a premièrement une phase où on laisse sédimenter les cellules sanguines. Donc on va avoir au niveau du capteur une augmentation de la transmittance puisque les cellules diffusantes vont se retrouver au fond du flacon. Donc elles ne seront pas sur le trajet optique. Et s'il y a croissance, vous aurez cette transmittance qui va rester élevée alors qu'elle va rediminuer si vous avez croissance microbienne. Donc là, ce sont nos collègues de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers qui coordonnent cette partie-là, Liselotte Hardy, Barbara Barbet. Là, vous avez un exemple sur une croissance de colis en flacon d'hémoculture. Après la phase de décantation des cellules sanguines, là, j'ai mis la hauteur à laquelle on fait la mesure, vous avez donc une augmentation de une diminution de la transmittance, donc une augmentation de la turbidité, à cause de la croissance bactérienne. Alors, on a quand même voulu se comparer dans le projet à l'état de l'art, c'est-à-dire au bacté alerte, avec son fameux détecteur colorimétrique en fond de flacon. Donc, un prototype spécifiquement pour ça a été fait, un prototype amélioré, puisqu'il y avait un détecteur de couleur au fond du turbidimètre par rapport à celui qu'on fait pour l'Afrique. Et ça a permis, en fait, de benchmarker nos performances par rapport à celles du bacté alerte, et vérifier que ce qu'on observait bien, ça correspondait à une croissance. Donc on a pu vérifier que l'augmentation de la turbidité était corrélée à une augmentation de l'acidité qui, elle, est détectée par le capteur colorimétrique de Biomérieux. Alors sur le volet identification, là, tout se fait sur boîte de pétri. Donc si vous avez détecté un pathogène dans votre flacon d'hémoculture grâce à la turbidimétrie, vous étalez un tout petit volume de votre hémoculture positive sur une boîte de pétri et les bactéries vont pousser de manière à former ce qu'on appelle des colonies. Donc c'est un empilement de cellules. Et ce qu'on regarde avec ce microscope sans lentilles, c'est cet empilement de cellules. Alors pourquoi la microscopie sans lentilles est adaptée particulièrement adapté au RLS, au Low Resource Settings, au LRS, c'est que ça permet déjà de caractériser une grande partie de la boîte de pétri, pas la totalité, mais une grande partie, puisqu'en fait, on utilise un capteur d'image qui fait 24 par 36 mm². Donc, ça caractérise la majeure partie du centre de la boîte, puisque les bords de la boîte sont de toute façon moins intéressants. Il n'y a pas d'ajout de réactif, puisqu'on fait juste une image des colonies. Donc là, c'est en cohérence avec le fait qu'ils ont du mal à s'approvisionner en consommables. Et en fait, le seul consommable dont on a besoin, c'est la boîte de pétri. Et ils peuvent s'approvisionner eux-mêmes avec des boîtes de pétri. Et un autre gros atout, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'optique, donc pas d'objectif. Et il n'y a pas non plus de platine pour déplacer la boîte de pétri par rapport à la source de lumière ou au capteur. Donc, en l'absence de mécanique, on a quand même un dispositif qui sera à la fois moins cher et plus robuste. Donc, on pose la boîte de pétri sur le capteur d'image, on allume la LED et clic-clac, c'est dans la boîte. Alors, ce prototype que vous voyez là est celui qui est en ce moment utilisé dans les CHU, donc à Cotonou, Ouagadougou, Boko. Le capteur d'image qu'on utilise, comme dans l'innovation frugale, en fait, c'est du détournement, je dirais, de capteur d'image d'un instrument commercial. Alors, il y a énormément de savoir-faire là-dedans. Il y a plusieurs années de recherche par nos collègues de l'IRIC qui sont dans la salle aujourd'hui.
Il y a eu plusieurs projets en amont. Donc, pour passer de cet appareil photo-là, qui est soigneusement choisi, à ce prototype-là, avec la prise d'image intégrée, le stockage, l'éclairage, et aussi l'IHM, pour pouvoir communiquer de manière simple avec le technicien qui fait les mesures. Alors, qu'est-ce que ça donne comme mesure ? Voilà ce que ça donne. Donc, une image 24 par 36 qui permet de visionner les colonies. Là, vous avez une photo de colonie de Klebsiella d'un patient de bocaux au bout de 20 heures de croissance. Donc voilà, si on fait un zoom sur une colonie en particulier, on voit effectivement un pattern, un motif qui ne correspond pas à ce que vous verrez à l'œil nu, puisque l'éclairage est différent. Là, c'est un éclairage par une LED, donc semi-cohérent. Il est monochromatique aussi. Alors donc là, c'est des fausses couleurs, évidemment. Alors tout l'enjeu maintenant est de pouvoir reconnaître une espèce malgré la diversité qu'on va observer au sein d'une espèce en termes de morphotype. Donc chez les escargots, il y a une variabilité de morphotype, de même qu'il y en a chez les chiens ou chez les poules. Chez les bactéries, il y a une variabilité très forte dans les morphotypes. Là, vous avez tout un panel d'exemples de morphotypes divers et variés de Klebsiella pneumoniae. Et donc, tout l'enjeu de l'intelligence artificielle derrière, c'est de pouvoir reconnaître l'espèce malgré cette variabilité phénotypique au sein de l'espèce. Alors, une intelligence artificielle, elle se base sur une base de données. Et pour avoir une base de données robuste, pertinente, il faut des patients. Donc, les premiers tests, avant de démarrer en Afrique, on les a faits sur des patients recrutés au CHU de Bruxelles, dans le service du professeur Olivier Vandenberg. On a ciblé les 5 espèces les plus courantes à Bruxelles. Et aussi, on a cherché à avoir à la fois des espèces voisines, comme Klebsiella et Coli, comme staph doré et staph épi, et puis aussi des espèces éloignées comme pseudo aeruginosa et les staphylocoques. Donc cette première base de données sur un peu moins de 300 patients, elle nous a permis de voir qu'on arrivait à 92% d'identification correcte à l'espèce. Et donc après cette phase-là, on a démarré donc l'année dernière les tests en Afrique. Donc au final, si on prend un peu de recul, quand on se dit qu'on a remplacé un spectro de masse Malditov par cet équipement de microscopie sans lentilles, alors les inconvénients du Malditov, de la spectrométrie de masse, c'est qu'on a un équipement autour de 150K à l'achat, avec une maintenance autour de 25K par an, je crois, enfin ça dépend du fournisseur, mais il a un tube de temps de vol avec du vide et de la haute tension, il y a une platine motorisée, un laser dans l'UV, donc globalement quand même son inconvénient à lui, c'est d'être coûteux à l'achat et à la maintenance, mais il a un gros atout, c'est qu'il sort une donnée qui est quand même très simple, un spectre de masse, on va le découper en 1200 tranches de M sur Z, c'est une donnée qui est de faible taille. Alors que notre microscope sans lentilles, effectivement, on a fait un échange. On va avoir une donnée très complexe, puisqu'on a 61 millions de pixels sur l'image. Mais par contre, on aura un équipement beaucoup plus simple, à peu près 30 fois moins cher, où il n'y a pas d'optique, pas de platine, et il peut fonctionner aussi sur batterie si besoin est. Alors la suite du projet, j'en arrive à la fin de mon exposé. La suite du projet, c'est de terminer le recrutement des patients. En ce moment, on en est un peu plus de 1000. Alors, j'avais mis fin 2024. On va prolonger jusqu'à mi-2025 pour en avoir plus, notamment sur des petites structures comme le dispensaire de bocaux, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Donc, on a commencé les premiers patients au Bénin en juin 2023. À Ouagadougou, ça a démarré en décembre 2023. Et ça nous permettra notamment d'étendre notre base de données par rapport à ce qu'on a collecté en Europe. On n'avait que 5 espèces. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien d'espèces on va pouvoir engranger par rapport à cette liste au Père Noël. On en saura plus à la fin du recrutement des patients. Parce que l'enjeu clé, c'est d'avoir par espèce suffisamment grand nombre d'exemples pour que l'algorithme soit entraîné. Et notamment, ce qu'on va faire dans cette phase africaine du projet, c'est qu'au lieu d'entraîner sur une image simple, à un seul temps d'incubation, on va faire de l'apprentissage sur une série d'images, sur un time-lapse, de manière à ce que l'utilisateur puisse prendre une image au temps d'incubation qu'il veut, qu'il souhaite lui-même,
il va donner à l'algorithme le temps d'incubation de manière à pouvoir faire une identification à l'espèce au temps d'incubation que l'on souhaite, et pas seulement au temps d'incubation imposé par la base de données. La dernière perspective, j'en arrive à mon dernier slide, continuer ces acquisitions sur un autre bassin de population pour avoir de nouvelles espèces bactériennes et aussi donc des nouveaux pays. Donc un projet en cours de montage avec le Rwanda, l'université évangélique du Bukavu en République du Congo et avec les institutions de santé en Ouganda, de manière à ce qu'on puisse continuer la base de données. Et la deuxième phase de ce projet, s'il passe, ça sera d'implémenter cette solution à la fois dans le mini-lab de MSF, qui est un laboratoire modulaire, un laboratoire en kit, et dans la version allemande, qui est le laboratoire mobile, qui est aussi un laboratoire en kit. Donc un projet est en cours de montage avec Florian Guéreux du BNITM, c'est l'Institut de médecine tropicale d'Hambourg. Alors je voudrais commencer par remercier l'équipe grenobloise de ce projet, qui est un bel exemple de collaboration transversale entre la DRT et la DRF, donc entre l'IRIG et le LETI. Donc Emmanuel Picard, Emmanuel Hadji, Dylan David et Clément Douard. Et puis je remercie aussi l'ensemble du consortium Symbol et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation très claire et très intéressante. Place aux questions. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Non ? Alors, j'en ai peut-être une pour démarrer. L'idée, en gros, c'est d'obtenir une base de données suffisante pour pouvoir nourrir peut-être votre intelligence artificielle, là, puis isoler les pathologies. Et par la suite, effectivement, ce seraient les organisations type MSF qui peuvent, derrière, apporter la médication, enfin les antibiotiques. Comment ça se passe ? Oui. C'est dans ce sens-là, voilà. L'idée, c'est de s'appuyer sur des organisations comme MSF et des instituts de médecine tropicale comme Hambourg ou Anvers pour diffuser la technique et pour agrandir sans cesse cette base de données, parce que sans la base de données, il est clair que la technologie n'a pas d'intérêt. Donc il va falloir très vite, si on veut éviter qu'elle ne se retrouve au placard, qu'on puisse l'implémenter, cette base de données. Il reste quand même un point compliqué, délicat, c'est la production du prototype. Alors, on n'a pas besoin d'être accrédité, mais il va falloir l'envisager, je dirais peut-être localement, pouvoir former des gens pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes le dispositif. Ça n'empêche que derrière, il va falloir envisager à grande échelle un monitoring des acquisitions de données, parce que ces données, quand on les fait rentrer dans la base de données, il faut qu'on puisse les étiqueter avec une étiquette qui soit fiable, si on met un nom d'espèce dessus. Donc aujourd'hui, il y a des transferts de micro-organismes entre l'Afrique et l'Europe, de manière à ce qu'ils puissent être étiquetés avec un appareil européen en Europe. C'est notamment l'ITM qui fait cet étiquetage des bactéries qu'on a trouvées chez les patients en Afrique, de manière à ce que l'étiquette sur l'image elle soit fiable, parce qu'une étiquette qui n'est pas fiable, c'est une image qui n'a aucun intérêt. J'ai vu une question. Merci. En fait, moi, j'ai une question. Si nous sommes capables de produire des appareils qui coûtent 30 fois moins cher, est-ce qu'on pourrait envisager l'utilisation de ces appareils en Europe, dans les pays agro-moyens ? Parce que peut-être on n'a pas besoin de temps pour faire le même travail. Alors, pour intéresser des industriels européens, il faudrait qu'on fasse la preuve sur un grand nombre d'espèces, qu'on arrive aux mêmes performances que la spectro de masse. Aujourd'hui, on n'en a pas la preuve, puisqu'on a des bases de données qui sont beaucoup plus réduites. Je suis quasi sûr que je n'arriverai pas aux performances de la spectro de masse, déjà parce que les premières bases de données, aujourd'hui, elles doivent avoir presque 20 ans, ou au moins plus de 15 ans. Donc, ils ont énormément d'espèces avec beaucoup d'exemples.
Et puis après, peut-être qu'intrinsèquement, de toute façon, je n'ai pas une signature qui sera, qui me permettra d'avoir d'aussi bonnes performances que le Maldi. Donc, de toute façon, en l'absence de performances au moins identiques, je pense que ça ne peut pas intéresser les hôpitaux européens, sauf pour un cas particulier où, effectivement, je garde espoir, c'est celui des milieux isolés. Donc, je pense au Canada, par exemple. Effectivement, on est en discussion avec Cédric Yonsouni, qui est beaucoup intéressé par cette technologie parce qu'en fait, il fait des campagnes de soins au Nunavut, donc des territoires où ils sont très éloignés de tous les centres hospitaliers, donc de tout dispositif de diagnostic. Mais voilà, donc je dirais pour faire simple que pour l'Europe, ce dispositif, il n'est pas intéressant puisqu'il est moins performant, a priori, que le Malditov. Voilà. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, merci pour ce très joli projet et la présentation. Les bactéries sont connues pour muter très vite. Donc, il se peut que dans une boîte, on ait des colonies de taille et de forme différentes. Mmh. Et il se peut aussi qu'on ait un mélange de bactéries. Donc, est-ce que l'IA est entraînée pour tenir compte de tout ça? Est-ce que vous pouvez rendre un résultat mélange de bactéries? Alors, on peut adresser des boîtes polymicrobiennes. Je n'ai pas parlé en détail de ça parce que ça allait me faire rentrer un peu dans les détails, le volet traitement de données. Mais on a une publication, on a un préprint qu'on a mis sur Internet il y a un mois pour montrer ça en détail. Mais on peut adresser les boîtes polymicrobiennes. Ensuite, le problème des variants morphotypiques, bah oui, il est crucial parce que cette techno, en fait, elle est basée sur le morphotype. Donc, ça veut dire que notre IA, pour être pertinente, il faut qu'elle ait vu les différents variants morphotypiques d'une espèce. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'énormément d'exemples et qu'on a besoin du plus grand nombre de patients possible. Je dirais qu'un des atouts du Maldi par rapport à nous, c'est qu'a priori, ils ont une signature qui est quand même beaucoup moins variable que la nôtre. Donc, ils ont besoin de bases de données moins étendues pour une espèce. Oui, une question ici et ensuite... Oui, merci pour l'exposé. J'ai bien compris que le délai entre la prise de sang et le diagnostic était absolument crucial. Et j'ai pas très bien compris en quoi ce projet accélère l'arrivée du diagnostic. Parce que le principal du délai, c'est le temps de culture. C'est surtout un projet où, en fait, il accélère pas le diagnostic, il introduit un diagnostic. À Boko, il n'y avait pas de bactériologie clinique sur les hémocultures. Alors, à Cotonou, il y a un automate, je crois que c'est un BACTEC. Donc, à Cotonou, en fait, notre objectif, ce n'est pas d'implanter le turbidimètre, c'est de le tester avec un appareil de référence. Mais ensuite, ce turbidimètre, on va le tester à la campagne, je dirais. Voilà, des endroits où il n'y a rien du tout. Donc, notre objectif, c'est plutôt d'introduire du diagnostic là où il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, en fait. Bonjour, merci déjà. Vous avez parlé des problèmes d'infrastructures et notamment des coupures d'électricité. Et donc, du coup, je voulais savoir comment vous garantissez l'accès à cette base de données, du coup. Alors, une fois que l'algorithme est entraîné, on n'a plus besoin d'accéder à la base de données. Donc, l'idée, c'est pour ça, entre autres, qu'il faut rapatrier toutes les données d'Afrique en Europe, parce que l'apprentissage de l'algorithme, on le fait ici à Grenoble. Et ce qu'on leur transfère ensuite, c'est un algorithme entraîné. Et donc l'idée sur le long terme, ça serait de faire des mises à jour de la base de données, de rapatrier ces données-là et ces micro-organismes aussi en Europe pour les étiqueter en Europe, refaire l'apprentissage de l'algo et d'envoyer juste l'algo là-bas. Et les stocker localement sur l'appareil, parce qu'effectivement, l'accès Internet est problématique là-bas. Ah, oui. Merci pour la présentation. Ah oui, pardon. Allô? Bonjour. Bonjour. Je pense que l'intérêt, c'est de traiter, c'est pas de savoir. On peut traiter sans savoir.
et on peut savoir sans être capable de traiter. Je suppose que les patients que vous examinez ont déjà été traités d'une façon un peu aveugle. Donc il reste au niveau bactériologique ce qui n'a pas pu être atteint par le traitement classique à spectre large. Alors aujourd'hui, le recrutement, il est très très large. En fait, le critère, c'est d'avoir une infection sanguine. On en est encore aux phases de tri des patients, mais pour l'instant, on fait un premier recrutement très très large. Et puis après, il y a un tri qui est fait en fonction de certains critères. Et pour être franc, c'est l'Institut de médecine tropicale d'Anvers qui fait le tri des patients. Parce que soit l'ETI ou l'IRIG, nous, on est vraiment néophytes en matière d'essais cliniques. La gestion des données patients et le recrutement, c'est quelque chose qui est géré par nos collègues belges. Parce que ça veut dire que vous pouvez faire une analyse statistique. Oui. L'analyse statistique, à nouveau, elle est faite par l'ITM à Anvers. Oui. Ils ont les spécialistes statisticiens pour que ce soit fait de manière carrée. Grosso modo, vous voulez savoir chez les résistants ce qu'il y a comme molécules et bactéries qui sont en jeu. Pardon. Ah oui, je voulais dire s'il y a beaucoup de patients antibiorésistants dans la cohorte. Oui, non, mais dans les gens qui ont résisté à un traitement classique, on peut se douter que c'est telle bactérie qui Alors, se manifeste. C'est ce qu'on veut mettre en évidence dans les essais, c'est pas une amélioration du traitement. En fait, on veut comparer nos instruments à nous par rapport à des instruments de référence quand ils sont disponibles localement. Donc, par exemple, l'automate d'hémoculture BACTEC pour la phase de croissance des bactéries, et puis la spectro de masse disponible à Anvers pour la phase d'identification. Mais le devenir des patients, au final, il n'est pas pris en compte dans les données, en fait. Sauf, évidemment, il n'est pas pris en compte dans... Ce n'est pas l'objectif de l'essai, ce n'est pas d'améliorer pour l'instant le traitement des patients, c'est de valider nos technologies de diagnostic. Pour qu'on puisse après les mettre en œuvre sans la méthode de référence. Merci pour la présentation, mais est-ce que vous imaginez à plus long terme de tester l'effet d'antibiotiques avec cette techno-là ? C'est effectivement quelque chose qu'on aimerait faire sur le volet identification. On aimerait voir si on peut détecter des phénotypes résistants. L'idée, ça ferait rentrer dans la base de données des espèces résistantes pour voir si on est capable, j'en sais rien, hein, mais c'est une des questions qu'on se pose, pour voir si on est donc capable de détecter des phénotypes résistants, rien qu'au morphotype. Je ne suis pas très optimiste, mais ça vaut le coup d'être testé. Oui, j'ai deux questions. Donc la première est, une fois que le diagnostic a pu être amené dans des endroits où ce n'était pas possible avant, est-ce qu'on est capable d'y amener aussi le traitement ? Ça aussi, c'est une question importante. Mais alors je dirais que là, c'est plus la question que se pose MSF. Alors les instituts de médecine tropicale aussi travaillent là-dessus. Et puis des fondations comme la fondation Bill Gates, c'est un autre problème, oui. On ne peut pas adresser tous les problèmes en même temps. Non, ça je suis bien d'accord. Mais est-ce qu'il y a... Dans des grandes villes comme Cotonou, ce n'est pas un problème. C'est même, un inconvénient, le fait qu'on ait accès à beaucoup de molécules antibiotiques sans prescription, c'est plus un souci, quoi. Mais voilà, ce n'est pas un problème partout, mais c'est effectivement un problème. Et puis ma deuxième question est, quels sont les financements qui sont derrière un tel projet ? D'où viennent-ils ? Alors là, Symbol est financé par un guichet particulier de la communauté européenne qui s'appelle le DCTP. C'est un guichet qui permet de financer des essais cliniques de technologies européennes en Afrique. Donc c'est vraiment un guichet médecine tropicale. Et la suite du projet, on espère à nouveau la financer par le biais de ce guichet-là. Et ensuite, à plus long terme, on espère s'appuyer sur des fondations. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Ici, Joséphine, en bas. Merci.
Merci beaucoup. Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Peut-être vous l'avez dit, mais vous commencez par les infections sanguines pour ensuite peut-être vous étendre à toutes sortes d'infections par la suite. Première question. Deuxième question, vous parliez des coupures d'électricité, de poussière et tout ça. Il y a quand même un moyen au départ un tout petit peu d'améliorer tout ça avec des groupes électrogènes en faisant des systèmes d'aération, de filtration, de ménage plus efficaces. Enfin, je ne sais pas. Bah, tout dépend des moyens auxquels on a accès, quoi. Par exemple, groupe électrogène, il faut avoir les moyens d'en avoir un. Dans certains dispensaires, la meilleure aération, c'est une aération naturelle, quoi. Donc, cela dit, il y a des études qui sont faites là-dessus, hein, notamment par rapport au virus respiratoire. Il y a des gens qui étudient ça, comment la ventilation naturelle peut améliorer les choses. Alors, sur le volet infection sanguine, effectivement, notre objectif à long terme, c'est d'adresser tout type de prélèvement à partir du moment où ça pousse sur boîte de pétri, sur le milieu Müller-Hinton, qui est celui qu'on a choisi. Et d'ailleurs, la base de données que j'ai montrée à Bruxelles, on avait fait un patchwork de différents types de prélèvements. Parce que dès le début, on a effectivement voulu voir si on pouvait adresser des prélèvements bronchiques, des infections urinaires, des plaies et des choses comme ça. Donc, les 92% que j'ai montré à l'espèce, c'est sur 5 types de prélèvements. Voilà. Donc, c'est notre objectif à long terme, effectivement. Très bien. Je propose que nous remercions à nouveau Merci. Pierre Marcoux pour cette présentation. Merci. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette conférence qui sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube Giant la semaine prochaine. Alors, avant de partir, rendez-vous du prochain Midi by Giant donc dans 2 semaines, le vendredi 7 juin à 12h30. Nous aurons le plaisir d'accueillir Uli Köster, responsable d'instruments Le Hingrin et production de radioisotopes à l'ILL. Il présentera une conférence donc sur l'option nucléaire pour le traitement des cancers. Donc, toutes les informations sont à retrouver sur le site web Giant. Pour la suite des échanges, nous vous donnons rendez-vous au rez-de-chaussée de l'espace Palladium et une pause café vous est offerte. Bon après-midi et à dans 2 semaines. Merci.